Allez. Lâche-moi, je peux pas y aller. Allez. Fais-moi la paix, la vie, ça me saoule. Mais si. Lâche-moi. Claire, lâche-moi. Désolé, lâche-moi. Non, mais je suis pas désolé. Arrivez maintenant. C'est si. Attends. Mais viens. Arrête. Arrête. Non, non, lâche-moi. Je suis désolé, elle voulait pas y aller. Mais ouais, mais elle va y aller. Envoie ma culotte. Lâche-moi, je vais péter. Ah. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais attends, ça. Parce que l'actu est tellement dégueulasse en ce moment, elle voulait pas y aller. On doit faire l'actu, on doit faire l'actu. Cafard, excusez-moi. Bonsoir. Alors, l'actu ce soir, Jean-Michel. L'actu ce soir. Non, mais c'est style. Donc, alors l'actu ce soir. Bah oui, mais c'est quand vous voulez. Non mais les punaises qui ont laissé de la colle. Non, parce qu'il y a pas. Excusez-nous, parce qu'on est un peu troublés parce que. Ouais. Excusez-nous, on est un peu troublés parce que. Parce qu'il y a Patrick et on se connaît en fait. Il y a Patrick, on se connaît. Alors ça fait bizarre de le voir ici. Je vous cache pas. Ah oui. Mais comment ça? Ça me fait drôle à moi aussi. Bah oui, parce qu'en fait, il nous a pas connus en tant que présentateur de JT, non, Patrick. On a fait plusieurs. Je t'ai connu avant que tu sois le sosie de Benzema. Non, c'est pas vrai du tout. Non, c'est qu'admirable. Alors, on a fait plusieurs émissions. On a fait plusieurs émissions ensemble avec Patrick, et on peut dire que c'était pas vraiment des ambiances de JT. Ouais. C'est-à-dire? Eh ben, on était tous en slip. Non. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y avait quelque chose d'un peu plus festif qu'un JT, tu vois. Oui, d'accord, mais là, vous êtes embauché pour faire le JT. Vous n'allez pas traiter l'actu ou... Si, bien sûr, mais on va s'adapter à notre invité. Bien sûr, on va s'adapter. Attendez, on peut pas faire comme s'il n'était pas là. Hein. Non, on va faire l'actu, vous inquiétez pas. On va traiter l'actu. On va faire l'actu. On s'adapte. Musique. Un petit peu de musique, voilà. Alors, budget fédéral. Alexander De Croo a présenté le budget la semaine dernière. La chef des engagés, Catherine Fonck, est montée au créneau pour dénoncer une mauvaise répartition des sommes. Yann, vous avez un résumé de la situation? Si Catherine est chafouine, c'est qu'elle a mauvaise mine. La jupe en papillote, elle avait pas culotte. Alexander a vu qu'il manquait du tissu. Le millefeuille au grand air, ça sentait les fruits de l'air. Alexander Berber a vu son derrière bien rond et glotu, sans un pli dessus. Elle a bite dans les frites. En Belgique, gite, pas de panique, nique. Non, ça suffit. Culture maintenant. Avec le musée Magritte. Avec le musée Magritte qui fait peau neuve. Donc ils ouvrent un nouveau forfait pour les étudiants, pour qu'ils s'instruisent de toutes les manières possibles à l'art pictural. Ah, le musée Magritte? Oui, le musée Magritte. J'y suis allé. Ah bon? Vous êtes... Ah oui, c'est sympa, ouais, très sympa. Ouais. Viens donc en Belgique, je vais te montrer Magritte. Ça fait toujours du bien de chanter ce refrain. Si tu viens en Belgique, tu pourras voir Magritte. Le pinceau à la main, je vais pas faire un dessin. Et si t'aimes pas BD, rendez-vous au musée. Sans méchanceté aucune, je te ferai objectif lune. Et si tu veux t'attendre, tiens-moi bien par la main. Adopte dans les tulipes, te fera fumer sa pipe. Non, excusez-moi, on va essayer de changer de sujet. Vous savez que le mannequin piece va être restauré. En effet, le tuyau laissant passer le jet d'eau est obstrué par du calcaire. C'est vrai. Alors une remise à neuf qui plaît beaucoup aux touristes et aux Bruxellois. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Ouais. Mannequin piece, faut que ça glisse, c'est du cool, dans sa faut le récurer. C'est ce qu'a dit mémé en se penchant pour qu'il aurait. Oh non, y'a pas de... Écoutez, vous pouvez pas faire l'actu comme ça, c'est pas possible. Pardon. Enfin, mais calme-toi. Non, parce que Patrick est là et... Non, pardon. Autant pour faute, mais tiens-toi un petit peu, c'est pas possible ça. Pardon. Non, mais c'est une... Je suis désolée, Patrick. Ah oui. Non, enfin, monsieur De Warzé, bon, c'est l'actu telle qu'elle est, on n'y peut rien non plus, hein. En même temps, on rend un vibrant hommage à Patrick, à tout et le monde. Et il adore tout ce qui est vibrant. Bon, écoutez, je veux bien une dernière info sur la famille royale, mais alors du calme, hein, dans le public. Je vous promets. Non, alors vraiment, un protocole à respecter. Attends-toi au pire. Non, mais je sais bien qu'ils m'ont promis que ça allait être calme, donc tout le monde se calme, etc. Promis, monsieur De Warzé, on promis. Est tout à vous. Promis. Merci. On aura tous on vous adore. Arrêtez de faire ça, c'est dégueulasse. Voilà. Pour la famille royale et classe. Exactement. Oui, classe. On n'arrête pas. La famille royale, donc, avec la reine Mathilde, qui aurait surpris le roi Philippe en train de fumer alors qu'il avait promis qu'il arrêterait dès le mariage. Oui, hein. C'est musique, pas très correct. Musique, on peut, quoi? Musique. Non, oui, alors tu te... Non, on peut, alors, ah, non, peut non, 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 yeah. Ah si, allez, c'est parti. Roi Philippe, c'est fini la tirette. Roi Philippe, c'est fini la purée. C'est terminé la pipe devant la cheminée. Mathilde a déclaré, j'avale plus la fumée. Allez-y.
roi Philippe, si t'as peur de draguer, roi Philippe, il y a d'autres choses à tirer. Il y a la femme de ménage et la bonne du curé. Il y a même le chat gribouille, mais faut pas se faire greffer. Roi Philippe, c'est pas si compliqué. Roi Philippe, donne-lui de la patrie. Non, 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 tirez-les-moi, tirez-les, dépêchez-vous, tirez-les. Non, arrêtez, non, non, pas du tout, arrêtez. Allez, virez-les, virez-les. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, lâchez-moi, on reviendra. Lâchez-moi. On reviendra, monsieur de Wardoum. Lâchez-moi. On reviendra. On reviendra, vous aviez promis.